Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. On se retrouve pour un nouvel épisode. Donc on est toujours à 840 au niveau des gemmes, 600 au niveau des couronnes. On a 3 courants, 3 inhabituels d'eau rare et 41,5 d'ouverture, pourcent d'ouverture au niveau du coffre. On a 4 jetons de draft et 3 jetons lancez-vous. Au niveau de la maîtrise, on est toujours à 22 au niveau du niveau de maîtrise. La boutique, c'est pas la peine, on va directement sur les boosters et on va en ouvrir 3. On devrait récupérer au prochain booster un joker inhabituel. Enjambeur, hors furie, carte rouge qu'on connaît qui arrive au 5ème round. Ah, quoique. Si, si, on la connaît. On enchaîne avec Gnome Boussole, pareil, carte incolore qu'on connaît. Ensuite, pépinière cachée, carte terrain qu'on connaît et qui est un terrain vert. On enchaîne avec un joker inhabituel, donc 3 courants, 4 inhabituels, 2 rares, ça se prend. Gobelin pilleur de tombe, donc carte rouge qui arrive au premier round et qu'on connaît. On enchaîne avec iceberg inversé, carte bleue qu'on connaît et qui arrive au deuxième round. Et cataracte cachée, carte de terrain bleu qu'on connaît aussi. Eh ben écoutez, pas mal de cartes qu'on connaît, mais pas encore assez pour dire de monter le coffre. Alors, première grosse carte. Bray, pillard impatient. Carte rouge qui arrive au troisième round, c'est une créature légendaire gobelin et pirate. Elle a une initiative. À chaque fois que qu'un pirate que vous contrôlez attaque, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Créez un jeton trésor. Une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer celle-ci. Ce tour-ci. 3 en force et 3 en défense. Écoutez, plutôt bien. Mais ça demande à avoir un deck tribal pirate. Ok. On enchaîne avec le deuxième booster. Et hop. Ouh, on a un joker mythique, ce qu'il me fallait justement. Donc 3 courants, 5 inhabituels, 3 rares, 1 mythique et le coffre est ouvert à 41,7%. On commence à avoir des doublons. On commence à avoir des doublons. Donc éclaireuse de la cénote, carte verte qui arrive au premier round et qu'on connaît. Allez, on enchaîne avec chercheuse du soleil, carte verte qu'on connaît aussi qui arrive au premier round. On enchaîne avec éclaireur des héros de l'onde, carte bleue qu'on connaît qui arrive au deuxième round. On enchaîne avec main tendue, carte blanche qui arrive au premier round. C'est un sort de rituel, renvoyer sur le champ de bataille, engager une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Est-ce qu'il y avait une petite phrase d'ailleurs? Oui. It means échappe pas à l'effondrement en s'étant fait un nouvel ami et en ayant hérité d'un intense vertige. Ok. Portée énigme d'Oraska, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Carte bleue qui arrive au premier round, c'est un sort d'artefact qu'on connaît. On enchaîne avec Écho du Crépuscule, carte noire qu'on connaît, créature vampirique esprit qui arrive au deuxième round. Ok. Marche avec les ancêtres, carte verte qu'on connaît qui arrive au cinquième round. Ok. Et on va vérifier, mais normalement c'est notre joker. Et voilà, joker rare mythique. Donc on est bon. Et bah écoutez, je suis plutôt content.
Hop. Dernier de la session. On gardera l'autre pour une session prochaine. Alors, équipier inébranlable, carte bleue qui arrive au deuxième round, créature, humain et pirate. Quand l'équipier inébranlable arrive sur le champ de bataille, regardez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'artefact ou de pirate parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. 2 en force, 1 en défense. Te laisser, certainement pas. Tu ne dois encore de l'argent. Acolyte d'Aklazotz. Acolyte d'Aklazotz, une carte noire qu'on connaît qui arrive au troisième round. Altizor paniqué, carte rouge qu'on connaît qui arrive au cinquième round. Capitaine Tempest, carte Izette, donc magie bleue et rouge. Pillard de Cosmium qui arrive au deuxième round. Joker courant, donc ça nous fait 4 courants, 4. 5 inhabituels, 2 rares, 1 mythique, et le coffre est ouvert à 41,7%. Iceberg inversé, carte bleue qu'on connaît qui arrive au deuxième round. Danger tectonique, carte rouge qui arrive au premier round. C'est un rituel, le danger tectonique inflige une blessure à chaque adversaire et à chaque créature qu'il contrôle. Ouh, ça c'est pas mal contre les jetons. Un anti-jeton. Ouais, il fait mal. Et ensuite, on va sur la dernière carte de la session. Filet tressé. Carte bleue qui arrive au troisième round. C'est un sort d'artefact. Le filet tressé arrive sur le champ de bataille avec sur lui 3 marqueurs filés. Vous l'engagez, retirez un marqueur filé. Le filet tressé engagé. Engager un autre permanent non terrain ciblé, ses capacités activées ne peuvent pas être activées tant qu'il reste engagé. Façonné avec un artefact pour 2 mana dont un bleu. Kipou tressé. Hein, Kipou. Kipou tressé, donc artefact pour 4 manas dont un bleu et son engagement. Piochez une carte pour chaque artefact que vous contrôlez, puis mettez le kipou tressé dans la bibliothèque de son propriétaire en troisième position à partir du dessus. Ok, bah écoutez, bien. Ok, bon écoutez, on a fait le tour, on garde le dernier booster pour la prochaine fois. On va aller voir au niveau du profil. Donc au niveau du profil, on est à 63%. On est à 13 jours et on est à 63%. 80... Alors 7 sur 22 pour les mythiques, donc on est au tiers. 29 sur 64, donc on est pratiquement à la moitié. 57 sur 92, on est au allez, 2 tiers pratiquement. Pratiquement 2 tiers. Et les 3 quarts pour les inhabituels. Ok, bah écoutez, plutôt bien. C'est cool. On retourne sur l'écran principal. Il est temps de vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez bien de cette vie. Allez, bye bye tout le monde. Salut.